Hello à tous, c'est Fait 19, j'espère que vous allez bien à l'instant présent, ça me fait plaisir de vous retrouver, on va aller regarder un petit peu si on peut avoir des messages, voir aussi les énergies qui tournent autour de nous. Comme tu peux le remarquer, je t'ai préparé deux lames, le lien d'âme fort et une relation précédente non libérée. Je te laisse regarder les deux images et on va regarder tantôt une, tantôt l'autre. J'ai pas prévu d'oracle ou de tarot, je vais faire à l'instant. Donc déjà pour commencer, je te remercie d'être là, merci pour ta présence, merci de liker si c'est pas fait, c'est pour moi, c'est pour que YouTube voit que tu es là pour me soutenir dans la chaîne. Abonne-toi aussi et tout, tu connais. Bon, allez, on y va. On va commencer par un lien fort. Et ensuite, on ira regarder sur cette relation non libérée précédente. Hop. Voilà. Tac. Bon, bah écoute, je pense que c'est bon. Je t'ai mis où il fallait. Tu vois tout. Pardon, excuse-moi. Voilà. Bon, bah là, ça me paraît plutôt pas mal. Bon, et bah écoute, on va commencer. On va regarder par rapport à ce lien d'âme fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais peut-être prendre une heure miroir. Quand même pour savoir à l'heure que tu reçois la vidéo, à l'heure que tu reçois la vidéo, ou une heure qui te ressemble, une heure qui va te faire penser à ce lien d'âme très fort, on ne sait pas, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sincérité avec le 11h10 et l'ange Léaïa. On a Mars et Saturne, les signes du Vierge, et on a le manteau. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères. Ne résiste pas à cet appel. Le mental n'a pas sa place. Laisse parler ton cœur. Je t'impuisse l'intelligence et l'appui. Voilà. Donc la sincérité est le 11h10. Dis-moi à quelle heure tu tombes sur cette lame. Allez, sur ce lien d'âme fort. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette lien d'âme fort? Waouh, on a la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose après une séparation. Alors, est-ce que ça te parle? On parle de contrat, de temps et de victoire. Donc, peut-être que ton histoire a mis énormément de temps. Peut-être que tu as vécu des échecs. Mais on te parle ici d'une victoire, d'accord? Le temps est toujours notre allié. Une petite coupe encore. Et on parle ici donc de clairvoyance, qu'on ressent les choses, des personnes médiumniques, des personnes clairvoyantes, clairaudience, le savoir, l'intuition et la joie. C'est joli, j'aime bien. Donc, tu vois, ici, on parle vraiment de ressentir les choses, de ressentir que la joie, elle arrive, peut-être. Une coupe. On parle d'un carrefour ici, d'un choix à prendre, peut-être aussi au niveau de notre propre santé. Voilà. Aller dans un endroit un peu plus pur au niveau de l'air, peut-être. Allez, une dernière coupe et ensuite, j'en prends trois. On parle ici donc de lien charnel, de lien d'amour. Qu'est-ce qu'on a qui a voulu venir là? Et la victoire. C'est joli. Moi ici, ça me parle d'amour, ça me parle de victoire sur un lien d'amour. Et puis ici, on a toi. Donc, c'est vraiment pour toi. Donc, à l'avenir, ouvre tes yeux, il peut y avoir un petit peu de l'amour qui est là. Bon, allez, j'en prends trois. Trois ou tu vois quoi. 4. Allez, où on en est sur ce lien d'âme? On a des rêves et on a un verdict. Et la projection. Donc ici, j'ai bien l'impression qu'à cause de certaines jalousies, on est un petit peu montré du doigt par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on a réellement envie de faire. On peut aussi avoir des personnes un peu bizarroïdes derrière nous. Donc, on doit faire un petit peu attention à nos rêves. Attention à ce qu'on ressent. Ne pas trop raconter notre vie, etc., etc. Voilà.
elle revient. Donc ici, on parle vraiment de jalousie au niveau de l'amour. Hein. C'est clairement ça. Donc on a vraiment de l'amour ici. Hein. Ça sent l'amour, mais il y a de la jalousie sur ce lien fort. Alors, troisième. Est-ce que tu vois tout? Ouais, presque. Hein. Alors, donc troisième. L'étranger et la femme. Ok. Alors, ici on peut te dire de faire attention à ce qui vient d'une femme. Ce qu'une femme va te donner ou des choses dans ce genre. Attends, je t'avance ça un peu. Alors, hop. C'est peut-être mieux pour toi dans ce sens. Hop. Excuse-moi, c'est pas facile. Voilà. Donc ici, on peut vraiment parler d'une femme qui vient à toi. De l'étranger ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, on parle de jalousie. Donc méfie-toi, fais un petit peu quand même attention aux personnes autour de toi. Ce lien, ça peut être aussi le lien avec une femme. Qu'est-ce que je peux avoir comme dernière carte? La fécondité, c'est très joli. Et l'ouverture. Très bien. Très très bien, tu vois pas tout, hein. C'est un peu... Bon, je mets ici. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas au niveau de ta fécondité, au niveau de tes projets, on te parle ici d'une ouverture, quelque chose que tu as en toi, que tu as vraiment envie. On te parle vraiment de d'ouvrir la porte de ta destinée, c'est très important. Tu as la clé, tu as en toi tout ce qu'il y a, tout ce que tu as besoin. D'accord? Tu as tout ce que tu as besoin. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Alors... Je vais prendre un petit tarot pour avoir d'autres messages pour ce lien d'âme fort et cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais faire des petites coupes pour avoir quelques petits messages. Allez, on y va. Alors, on a quelqu'un qui passe à autre chose et on a la victoire. Donc, si on passe à autre chose, évidemment, on aura la victoire. Allez. Allez, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de toute cette histoire? D'accord. Alors, ici, on a un nouveau commencement. Donc, le battleur. On te parle de recommencer à zéro. On te dit ici que tu as tout en main. Regarde, elle est prête hein, à y aller. Hein. Elle marche sur le monde. La porte est derrière elle. Tu vois, comme ici, on a l'ouverture de la porte. Tu vois, c'est un commencement. C'est un nouveau départ. Et on a le troisième œil qui est ouvert. Donc, je pense que cette personne-ci, toi, tu es complètement connecté à la terre et tu sais que maintenant, il faut avancer, en fait. On parle ici d'amour, d'harmonie. Et ici, nous avons un mécontentement et un ennui au niveau love. Donc, peut-être un petit peu de choses au cœur qui nous font mal. Mais on parle quand même ici d'amour. On a un mouvement accéléré qui arrive pour un éveil. Ok, allez, je vais en prendre trois. Bon, ben, ça commence. Nous avons un conflit et une défaite. Et tout ça nous a obligés de se tromper. Peut-être que c'est des histoires juridiques. Peut-être que c'est le tribunal. Peut-être que c'est des accusations. Tu vois, des choses comme ça. Excuse-moi, je te remets ça droit. Un genre d'accusation. Mais en fait, ça t'a permis aussi peut-être de te transformer. On parle d'une jalousie qui nous fait souffrir en silence. Mais on a quand même malgré tout la guérison et la protection. Donc j'ai l'impression que cette défaite, que cette mélancolie que tu as ici, tu as peut-être aussi des rêves, hein, des rêves d'aventure. En fait, j'ai l'impression que tu es sur la guérison, tu es sur le chemin de ta destinée, de ta vie, de ta guérison avec l'équilibre. D'accord? Ouais, c'est ça. On peut ici aussi voir avec le 11, la flamme jumelle. Bon, allez, une troisième. Eh bien, on parle de partenaire et d'alliance. Donc, à l'avenir, à mon avis, il y a quelque chose. En plus, on a l'harmonie ici. À l'avenir, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour toi de très, très beau. On parle vraiment d'un amour ici, quelque chose de puissant. En dos de deck, j'ai l'empereur. Cette ouverture et cette fécondité.
pour la personne concernée là, cette ouverture de destinée, où va-t-on? Parce que vraiment, hein, y a des projets en toi, cherche bien, parce que t'as vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour toi. Ça peut être un bébé, ça peut être de la musique, des projets, des secrets qui vont être révélés, une nouvelle maison, une nouvelle ville, du soleil, des choses qu'on va révéler en fait. Et on a encore le mouvement accéléré ici et le chakra de la gorge. Donc, c'est quelque chose qu'on a très envie de dire, très envie de faire. On attend peut-être un signe de l'univers, un signe de Dieu pour pouvoir en fait démarrer. Ici, on a l'espoir qui a sauté l'obstacle et les défis, le chakra coronal. Donc, je pense qu'au niveau de notre tête, on a peur d'avancer. On doit avoir un peu des craintes. Pourquoi? Parce qu'on a peur de, bah, des obstacles, on a peur de tomber, on a peur de se casser un peu la binette. Et je pense que c'est au niveau... Oh, c'est... Au niveau de notre cerveau, on n'est pas totalement clair. On parle ici de perte affective. Une sur cet amour, ici l'harmonie. L'univers, le monde, si c'est pas magnifique. Par rapport à une perte affective. Donc, en fait, on est triste par rapport à un amour ici. On n'est peut-être plus ensemble, on souffre en silence, on regarde où. On te dit de tenir bon, hein, de vraiment tenir bon et d'aller au bout de tes rêves. Parce qu'il y a un nouveau commencement qui arrive. Une dernière sur cette histoire. Ok. On a le pouvoir et la force ici en dos de deck. Et j'ai la roue de fortune qui a sauté, donc la destinée. Une belle destinée à venir pour toi, mon choubidou. Donc vraiment, on te parle d'association qui arrive à toi. Ça peut être une femme, hein, une femme qui va te demander une association, de l'aide, un partenariat. Et ça va peut-être aussi te permettre d'avancer par rapport à cette perte affective et tu vas aller direction ton monde, direction ta vraie destinée. Ok. Je vais en prendre. Ben, ouais, on m'avait demandé ça. J'ai une jeune fille qui m'a dit, oui, prends ton tarot que tu as fait. Eh bien, je le fais. Le voici. Je vais te montrer une petite lame pour commencer. Le chariot. Voici. Voilà. Le chariot. Donc, je vais prendre quelques lames. Ah, il n'est pas terminé, mais bon, voilà, ça me fait plaisir aussi de le prendre. Donc, on va faire une petite coupe pour savoir. Des messages pour mes personnes ici. De l'aide. Une coupe pour les personnes concernées. Je vais faire une petite coupe à trois déjà pour commencer. Ma vidéo, elle m'a dit, je sais pas quoi, vidéo, machin, j'ai lu, mais c'est parti aussi vite. J'espère qu'elle n'est pas coupée. Parce que je crois que j'ai plus de place. Allez, une coupe. Alors, ici, on a la justice. La justice. Et en face, nous avons la 6 d'épée. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont lâcher prise, en fait, pour être juste avec eux-mêmes. Pour retrouver un genre d'équilibre personnel. Pour être un peu plus gaie, j'ai envie de te dire. Un peu plus heureuse. On peut parler aussi de vraie justice. De personnes qui lâchent prise par rapport à des histoires de justice, peut-être qu'ils sont vraiment compliquées pour eux, quoi. Bon, allez, on y va. Encore une petite coupe. Alors, 4, 5, 6. 6 de coupe et 6 de denier. Ben écoute, ici, avec ces deux 6, on me parle ici de rééquilibrage. On peut parler aussi de pensée au niveau de quelqu'un de ton passé. Une pensée très douce. Quelque chose de très doux. Quelque chose qu'on a envie de rééquilibrer avec quelqu'un, tu vois. Allez, on y va, je vais en prendre 3. Allez. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la 2 de pentacle qui nous parle un peu de dualité, qui nous parle... Bah de choix, en fait, de réaliser la réalité, de prendre un véritable choix. Alors, 3 de denier. Donc ici, on a besoin d'aide. On a besoin de travailler. On a besoin aussi de s'associer avec des personnes. Ça peut être des histoires de justice, comme je t'ai dit. On peut avoir ici un petit peu de conflit. Alors, ça peut être professionnel, hein.
et que ça nous a permis de se transformer. Peut-être quelques problèmes juridiques, des problèmes au niveau de tes rêves, au niveau du travail, quelque chose que tu as vraiment envie de faire, quelque chose en toi. Ça peut être même une histoire d'amour, hein. Donc, on travaillait avec cette personne, je ne sais pas. Regarde. Je dis, ça peut être une histoire d'amour, hein. Le roi de cœur qui est là. Notre roi de coupe. Regarde comme il est beau. Il est mi-blond, mi-brun. Il est magnifique, n'est-ce pas? Alors attendez, quand vous allez voir la reine de cœur, elle est magnifique ici. Donc, bah moi déjà ici, j'ai envie de te dire qu'il y a un roulement de tambour, hein, il y a quelque chose. On souffre énormément pour un roi de cœur, pour le roi de cœur, et on parle ici d'un nouveau commencement. Peut-être qu'on te dit ici de tenir bon parce qu'il y a un changement, une roue de fortune qui tourne avec cet homme. Où va-t-on? Waouh, la maison de Dieu. Donc il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui prend fin. Tu vois, il y a quelque chose ici qui prend fin. Ok. Je vais être obligée d'en reprendre. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce roi de cœur? Bah, on voit quelque chose qui prend fin avec la 10 d'épée. Alors, soit c'est imminent, il y a vraiment une dispute qui arrive, un genre de catastrophe, hein, un genre de, je sais pas, une grosse dispute, quelque chose qui arrive imminemment. C'est quelque chose de toute façon qu'on ne peut pas louper. J'ai l'impression que cette personne, en fait, c'est dur pour elle. On attend simplement aussi de l'aide. J'ai l'impression que cette personne, elle attend aussi pour se déplacer, elle attend quelque chose qui va la débloquer. Peut-être une vérité avec l'as d'épée. Peut-être qu'on attend aussi notre vérité. Peut-être qu'on attend aussi d'être recouronné, d'être cette vraie personne qu'on mérite. Peut-être qu'aussi cette personne, ici cet homme, peut-être que c'est une personne qui travaille dans la justice ou quelqu'un qui devrait être juste, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on parle de quelque chose d'imminent qui arrive. Peut-être quelqu'un qui va bouger par rapport à une vérité qui arrive. Hein. Qu'est-ce que c'est cette maison, cette tour? Qu'est-ce que c'est cette maison de Dieu? Qu'est-ce qui s'effondre? Qu'est-ce qui s'effondre ici? Ou alors, ce n'est pas forcément un effondrement négatif. Hein. Regarde. Regarde ce qui tombe. J'ai les amoureux. Regarde comme elle est belle aussi, celle-ci. Les amoureux. Donc, en fait, il y a une histoire au niveau de cet amour. Bah, comme je te disais, je n'avais pas l'impression que c'était trop négatif. Parce que là, avec l'as de pentacle, ce n'est pas forcément négatif. Alors, moi, j'ai plus l'impression qu'il va y avoir une communication. On a la roue de fortune aussi, ici encore. J'ai l'impression qu'entre toi et ton autre, toi et la personne de ton cœur, il y a comme une vérité, il y a comme une communication, il y a une victoire. Quoi qu'il en soit, on part pour la victoire. Mais on va te donner quelque chose qui va un peu te mettre de la nostalgie. Qu'est-ce que c'est cette lune? Comme si, en fait, il y a quelque chose qui va nous mettre le doute dans cet amour. Qu'est-ce que c'est cette as de pentacle et cette lune? Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte de l'engagement. On a la reine de denier. Regarde comme elle est belle, ma reine de denier, je la kiffe. C'est une de mes plus belles reines. Je l'ai fait vraiment avec soin. J'ai vraiment accordé bien les couleurs. Tu as vu, il y a plusieurs reflets, il y a plusieurs couleurs. Bon, enfin bref, je le kiffe mon tarot, il faut juste que je le termine. Donc ici, on a un peu de nostalgie pour une femme. Peut-être qu'on va lui donner des nouvelles au niveau de quelque chose du passé. Et il y a celle-là aussi qui a sauté en l'air, l'étoile, une de mes plus belles. Regarde. Enfin bon, je dirais, je les aime toutes. Hein. Donc j'ai une femme ici qui garde espoir, mais qui garde espoir d'un engagement avec cet homme, mais elle a une nostalgie. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné quelque chose, on lui a donné des nouvelles au niveau d'un amour. Peut-être avec une reine d'épée, peut-être avec une femme stricte, peut-être qu'il y a une tierce ici. Voilà, et qu'on a un choix à faire, et que ce choix, en fait, va miner un petit peu mon impératrice. On te parle ici quand même de nouvelles qui arrivent. Des nouvelles d'un amour, des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être n'importe qui vient te donner des nouvelles. Une dernière, le valet d'épée. En fait, on va te donner des informations au niveau d'un amour, au niveau d'un deux spirituel, d'un amour spirituel, de quelque chose que tu as très envie. Regarde ma deux de coupe comme elle est belle. Avec ses petits poissons. Je kiffe les poissons, ils me font penser aux poissons chinois là.
Moi, je suis fan des combattants. Je ne sais pas si vous connaissez les combattants, les poissons, mais c'est vraiment mon poisson favori. J'aime ce poisson. Alors, une dernière carte pour cette personne concernée. Un message d'aide. Une carte message d'aide par rapport à cette histoire, parce qu'on voit quand même qu'il y a deux femmes ici. Ça fait peut-être beaucoup, c'est peut-être la coupe alors. Alors, on a la tempérance et on a la 6 de deniers. Donc, clairement, ici, on me demande, on te demande de tempérer les choses, de tempérer aussi le financier, de tempérer avec les autres qu'il y a autour de toi, d'être juste, d'être vraiment juste avec les personnes qui sont autour de toi. C'est comme si on te demande ici de la justice. Je vais quand même regarder une dernière fois pour cette tour ici, avoir un peu plus d'explications. Alors, franchement, désolée, ça ne fait que tourner. Et pour avoir une autre explication, je pense que je vais prendre celui-ci. Celui-là, c'est le plus ratatatatata de tous les jeux, enfin pour moi. C'est un de mes préférés et c'est celui-ci que vraiment, bah déjà je suis très connectée à ce jeu. Je reçois beaucoup de messages par ce jeu. Enfin voilà. Pour avoir un jeu en main, pour pouvoir bien être avec un jeu, il faut aussi, comment te dire, être connecté, être en élévation. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. En fait, pour vraiment comprendre un jeu, il faut être en connexion avec lui. Bon, ici, on parle d'un mensonge. Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, je vais faire une coupe. D'accord. Alors, on te parle ici, évidemment, d'un adversaire. Alors, soit un adversaire va faire la paix avec toi, soit quelqu'un va te demander de faire la paix, soit on te dit de faire la paix avec un adversaire. Et ici, j'ai un dicton qui me vient. Alors, peut-être que ça a un rapport avec les messages. Hein, on a la pénitence, on a le sacrifice, on a le retour, on a la nuit noire de l'âme et la réussite au niveau spirituel. Moi, j'ai envie de te dire que garder ses ennemis bien proches, c'est mieux que ses propres amis. Tes amis, t'inquiète pas. Tes amis prennent soin de toi, te protègent. Mais les ennemis, vaut mieux les avoir proches de toi que trop loin. D'accord? Il faut toujours les avoir à l'œil. Donc ici, moi, j'ai envie de te dire, fais la paix avec tes ennemis pour être bien, pour n'avoir aucun retour de karma. Même les personnes qui sont néfastes, laisse-les. Tu vois, c'est comme... j'ai une histoire ici qui me vient. C'est pour te dire hein, que des fois, on ne fait pas attention, mais on devrait faire un peu plus attention. Les illusions. Les personnes, des fois, sont dans les illusions. Je t'explique. Il y a un message à faire passer. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, qui a des petits problèmes de santé. Elle va dans un magasin. Cette femme n'arrive pas à porter avec ses bras. Elle a des gros problèmes au niveau des bras. Et je vois cette femme qui porte son caddie. Elle était dans un magasin. C'est trop dur pour elle de se... Tu vois, par exemple, là. De se baisser... pour aller chercher ses petits articles dans son caddie. C'est trop dur pour elle. Je vois, elle souffre, elle a mal au bras. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève son panier et elle le met sur la caisse pour pouvoir, en fait, être un peu plus près de son panier pour pouvoir délicatement poser ses articles. Derrière elle, tu as une femme qui fait un peu la tête bizarre. Bon, cette personne-là, la première personne qui paye ses courses, elle était avec une amie. Cette amie n'est pas venue à temps derrière la caisse, donc elle n'était pas là. Cette personne fatiguée et un peu malade n'a pas le temps d'attendre son amie. Donc, elle a presque fini de payer ses courses. Elle n'a pas encore fini, mais elle dit à la caissière, cette femme est avec moi. Bon, elle était partie chercher les enfants des deux femmes, leurs enfants, qui étaient un peu en train de se promener dans le magasin. Et la femme qui paye, qui a mal au bras, lui dit, mais cette femme avec moi, est-ce qu'on peut la faire passer? Parce qu'il y avait au moins 5-6 personnes derrière qui étaient déjà installées, on ne pouvait pas attendre. Cette femme est malade. Bon, malade, c'est pas malade un truc de fou, hein. Il y a des trucs bien plus graves, mais quand on a mal quelque part, croyez-moi, enfin, vous savez, c'est très dur. Donc cette femme ici, elle passe, personne ne dit rien, il n'y en a qu'une derrière qui passe et qui dit, enfin, celle qui est derrière la première femme, qui dit... je sais pas pourquoi je vais la laisser passer. Même moi, je souffrais, mais vous m'avez pas laissé poser mes courses. Vous avez posé votre panier. J'ai vu la première femme qui n'a rien dit, mais je voyais qu'elle bouillait, elle bouillait, elle bouillait. Et
Quand après, elle a fait passer son amie en troisième, d'accord? Il y a déjà la femme qui bougonnait, qui est passée. C'est pas grave, une personne, on s'en fiche. Et elle dit comme ça à la première dame, elle lui dit, bah, je vais pas faire comme vous, je vais être moins idiote que vous, je vais laisser passer votre amie. Donc la première dame n'a rien dit, mais j'ai senti comme elle était blessée. Alors la dame paye ses courses et quand elle part, la première dame lui dit, eh bien, je vais faire comme vous, je vais plutôt garder le silence. Et l'autre, elle part, elle n'a pas compris. Mais après, il y a eu une discussion et en fait, cette première dame était effectivement malade des bras, ne pouvait pas porter ses courses, ne pouvait pas se baisser pour aller chercher les courses et se relever parce qu'elle a un mal de corps. Et c'est pour ça qu'elle avait mis son panier sur la caisse auto, sur la caisse. C'est pour ça que la deuxième femme aurait dû se taire parce qu'elle ne savait pas que la première était malade. Donc des fois, moi je dis, hein, il faut pardonner, il faut être proche même des ennemis, il faut pardonner parce que des fois quelqu'un il peut être malade en fait, hein. Regarde, on parle ici de mensonge et de transformation. En fait, moi je pense que ça soit ennemi, ami ou même les gens qu'on connaît pas, même les gens qu'on connaît, je pense qu'il faut être dans la douceur, dans l'amour, même si c'est des personnes que t'aimes pas, essayons de garder le silence parce que comme ça les anges ils répondent pour nous. On a le voyage et on a le silence, tu vois? En gardant le silence, en fait, c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu prends de la hauteur du vent, que le vent il te mène et les anges, eux, ils répondent pour toi. Bon, c'était une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Qu'est-ce que c'est que cette tour? Ok. Une nuit noire de l'âme. Alors, ça peut être au niveau spirituel. Ça peut être que dans la tête, on ne sait plus trop où donner. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici. On parle d'une tentation et d'une naissance. Alors, soit il y a une tentation et que, il y a quelqu'un qui est tombé enceinte. Soit, en fait, il y a quelque chose qui prend fin avec ton homme de cœur par rapport à une nouvelle rencontre qui est arrivée, une tentation. Et maintenant, bah, faut pardonner, faut se pardonner. Mais il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'une nouvelle porte, en fait, quelque chose qui naît, quelque chose qui renaît. On parle d'un isolement et de sagesse. Donc, je pense que n'importe quelle transformation, n'importe quelle chose qui te fait revenir à toi-même, c'est toujours pour avancer. Toujours, toujours. On parle ici d'un sacrifice au niveau d'un âme sœur ou d'un frère, quelqu'un de très proche de toi. Voili, voilou. Bon, ça, c'est le premier message pour les premières personnes, mes petits choubidous. J'espère que le message, il est passé. Je voulais vous le dire aussi que je pense que je vais faire comme certaines de mes collègues. Je vais passer aussi sur Vimeo, une plateforme qui devient de plus en plus connue, une plateforme aussi où on peut travailler là-dessus, mais pour un plus petit comité. Bah, ça me paraît plutôt pas mal. J'aime bien. Où on va pouvoir parler du roi de cœur, peut-être en plus d'intimité, je sais pas. Donc il y a peut-être bientôt des capsules Vimeo qui arrivent pour vous, mes petits choubidous, pour ceux qui auront envie, parce que ça ne sera pas une obligation, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie des extensions de mes vidéos. Alors c'est pour vous et c'est aussi pour moi, parce que ça fait partie bah, de ma mission de vie. Et il faut que j'évolue, il faut que je pense à moi, à ma famille. Donc, il faut que j'évolue, il faut que j'avance. Je ne peux pas que me contenter de ça parce que sinon ça ne marchera pas et je serai obligée à un moment donné, j'ai pas envie de le dire, mais il faut que j'évolue pour pouvoir rester sur la plateforme de YouTube. Je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est trop personnel, mais si je veux rester avec vous sur la plateforme YouTube, continuer à vous faire des vidéos qui sont gratuites, etc., etc., je suis obligée de évoluer. Et je suis sûre que vous comprenez, je suis sûre que, ben, que vous comprenez. Tant que je vous fais des vidéos ici sur YouTube et qu'elles sont accessibles gratuites pour tout le monde, je pense que voilà, c'est le principal. Voilà, c'est vraiment pour moi le principal. Allez, on y va maintenant pour cette relation qui est non libérée. À qui penses-tu comme ça, qui fait que tu n'arrives pas à avancer, qui fait que tu es bloqué sur quelqu'un? Ça peut être l'amour, ça peut être la famille. En tout cas, on voit une relation, on va parler d'une relation qui est non libérée. On va demander des explications et savoir comment peut-on faire. On te parle ici de spiritualité et de désir, 13h31 et 15h51. Tu vois et tu comprends ton propre chemin de vie. Ta foi te permet de donner sans chercher.
Ta foi te permet de donner sans chercher à recevoir. Tu éloignes les futilités pour en finir avec les tourments, les difficultés matérielles. On t'impulse la délivrance. Différencier le superficiel et l'essentiel. Vibre tes émotions afin qu'elles te parviennent au plus vite. Cette période est propice à la fécondité. Je t'impulse la perception. On a le scorpion, la balance, les signes d'air et l'eau. Alors le mental, les émotions. On a le soleil, la lune et Uranus. Donc ici, alors soit on a un désir spirituel qui monte de plus en plus, soit on a une rencontre qui arrive qui va être très spirituelle, soit cette relation là qu'on parle, c'est une histoire. Peut-être on a cassé, on s'est séparé, on a pris du retard par rapport à la spiritualité. Peut-être qu'on était montré du doigt, des choses comme ça. Peut-être un désir pas avoué. On peut parler ici de trahison et on a la femme. Donc si je te dis que la première tirage est sûrement liée au deuxième, tu trouveras des réponses dans ce deuxième tirage. Allez, j'y vais. Ah, ok. Bon, on a la fécondité, on a le carrefour, d'accord? On te parle encore ici de fécondité. Donc, je pense que tu es à la porte de nouveaux chemins. Tu peux réaliser des choses. On a la joie ici, on a le coup de chance. Alors, moi, je te dirais que ce tirage-là, sans la chance, sans le bonheur. Allez, on y va. Celle-là, elle a voulu venir. On parle ici de distance. On parle ici de compromis. Quoi d'autre? Instant présent. Ouh, waouh, te voilà. Alors, on voit que tu vas prendre de la distance pour une nouvelle ouverture dans ta vie. Et puis moi, comme je t'ai dit, hein, je pense que les deux lectures de ce matin sont liées. Hein. On parle ici de tes rêves. On voit que tu vas prendre de la distance pour évoluer, pour grandir, pour changer, pour tes projets. On voit ici que tu vas grandir. Tu vas prendre de la distance pour ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelque chose de fabuleux qui arrive pour toi ici. Vraiment. Ouverture. Alors, ça peut être au niveau juridique, ça peut être que tu travailles dans le milieu juridique. Ça peut être au niveau hérédité, genre quelque chose qu'on t'a légué quand tu étais plus jeune. Par exemple, tu fais le même métier que papa ou maman. Hein, mais on parle ici de séparation au niveau du travail. Alors, est-ce que tu as envie de changer du travail? Est-ce que tu as fait un travail toute ta vie qui t'a fatigué et aujourd'hui tu as envie d'une nouvelle destinée? Mais que tu as peur d'être jugé? Bah, si c'est ça, eh ben, il faudra prendre de la distance pour pouvoir en fait négocier, avoir des compromis et évoluer hein, pour cette ouverture qui est là pour toi. On parle qu'il y a un homme aussi qui est là. Alors soit il arrive avec le temps, soit c'est un homme qui met du temps, soit c'est un homme qui, c'est lui qui juge, c'est lui cette relation non libérée. On parle d'un enfant et on parle de trahison. Est-ce que ça te parle? Une dernière sur cette histoire. On te parle ici du retour de l'étranger. Donc, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. On parle de la loi. Donc, pour moi, c'est comme un rééquilibrage, tu vois. C'est comme un rééquilibrage. Peut-être que vous travaillez dans le milieu juridique. Alors, si c'est pas juridique, ça peut être... j'ai l'impression que c'est des travaux bien, tu vois, qui te plaît, mais que t'es pas forcément épanoui. Une sur mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Jalousie. Fais attention à la jalousie qui revient. Hein, on va te montrer un peu du doigt. Il y a de la jalousie qui revient, alors fais attention. Tu vas évoluer. Hein. Une dernière, la clairvoyance. Moi, je pense que tu ressens les choses déjà depuis enfant. Tu as peut-être un don déjà depuis enfant. C'est même héréditaire, je dirais, que ça vient peut-être de tes ancêtres et que tu sens que tu as un carrefour de ta vie et qu'il faut prendre la meilleure des directions. Si tu vas à gauche et si tu vas à droite. Alors, si tu vas de ce côté-là au niveau du futur, on te parle d'une belle maison. Et de l'autre côté, on a sexualité. Donc, j'ai l'impression que des deux côtés, malgré qu'on a une séparation ici, peut-être que des deux côtés, en fait, il y a de l'amour. Peut-être avec un peu de retard, mais on te parle ici de la naissance de quelque chose. Une dernière pour les trois liés. Une pour lier les trois. Pour la personne qui me regarde ici. On te parle d'un grand oui. Et quelque chose qui se termine pour recommencer à zéro. Et on est en train d'en discuter.
Et je pense que ça fait partie de tes rêves, de ce que tu as vraiment, vraiment envie de faire. Eh bien, pourquoi tu ne marches pas? Pourquoi tu tombes comme ça? Hop, voilà. Bon, et oh, hein? Bon. Allez, je te mets ici. Je vais aller regarder un peu plus. Ok, on te reparle ici quand même d'une ouverture. On peut parler aussi des amitiés. Ouais, il y a une ouverture au niveau des amis, tout ça, tout ça. On parle de la naissance de quelque chose de plutôt pas mal. Bon, allez, on y va. Je vais prendre celui-ci. Je vais aller regarder pour toi, ma belle âme. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour toi? Je vais faire une coupe à trois, s'il te plaît. Et après, on va faire des petites coupes. Alors, nous avons la sagesse et nous avons le nouveau commencement. Moi, pour moi, je te dis, hein, j'ai l'impression que ces cartes-là sont les mêmes que le premier tirage. Les deux sont liés. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, je vais faire un tableau comme ça. Ici, on te parle de partenariat et d'alliance, comme le premier jeu. Donc, permets-moi de te dire que j'ai l'impression que les deux jeux sont complètement reliés, j'ai envie de te dire. Par contre, je ne m'arrête pas là. Je vais prendre aussi message celui-ci. Bon, on te parle ici de faire attention un peu au retour des mauvaises personnes. Et on te dit qu'ici, tu... Voilà. Voilà. Moi, je te dis, c'est le message. Donc, celui-ci, on va le prendre après. Je te dirais quand même... Bon, il faut quand même que le message passe. Ici, on te dit de faire attention à qui revient dans ta vie. Tu peux avoir des adversaires et que tu ne sais pas que c'est des adversaires. Quoi qu'il en soit, ces adversaires vont te permettre d'évoluer, de grandir. Mais vraiment, ici, on sent l'adversité dégueulasse. Oh, oh, c'est de rire. Bon, allez, on y va. On y va, on y va. Je vais en prendre pareil pour comprendre un peu plus, pour avoir des... Alors, nous avons quoi ici? Nous avons sous la lumière, retrouve le sens et médite. Bon, ça, c'est un message pour quelqu'un. D'accord. Nourris ton âme. Tu dois absolument donner de la nourriture spirituelle à ton âme. Tu dois être douce et doux avec toi-même. D'accord? On te dit de mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu ne dois pas rester comme ça. Tu dois absolument mettre des mots sur ce que tu ressens. Si tu as de la tristesse, tu dois le dire. Si tu as de la joie, tu dois le dire aussi. Oula! Tu vois, on te dit ici, retrouve ton sens. Retrouve ton sens et pratique la gratitude. Ok. Ça, c'est un petit message vite fait, mais ce n'est pas celui-ci que je dois prendre. Donc, on y va. Allez, pour mon miroir magnétique, pour la personne qui me regarde, on y va. Je veux des messages. On y va. Hop. Et nous avons en dos de deck le mensonge. Oh là, c'est pas possible. Alors moi, je te dirais que tu peux avoir des adversaires, mais attention à eux. Attention, parce que c'est pas comme ça que tu as l'épée. Hein. C'est comme ça. Hein. Genre, en gros, c'est toi qui as l'épée dans les mains et tu vas leur botter le derrière. Hein. 8, 9, 10, 11. Ouais, on peut parler ici de justice. De justice. Donc, vraiment ici, pour moi, c'est comme si tu tiens l'épée à ta main et tu décides de guérir. Tu décides, en fait, de ne plus souffrir. Tu décides de coller des pichenettes à ceux qui seraient des adversaires face à toi. On a un conflit mental. Alors, un conflit mental qui vient déjà de loin, qui vient du passé. Je pense que ça vient de très, très loin. Ça fait longtemps que tu es dans cet état. Tu as clairement envie, en fait, que la justice soit faite.
On peut parler ici d'une histoire de love, hein. On peut y parler d'amour ici. On te parle de reconnaissance et de récompense. Tu es quelqu'un déjà de très doux, très mignon, très chou à la crème, ma choubidou. Et on voit que tu es dans la reconnaissance et la récompense, tu es dans la gratitude, d'accord ? Mais il y a une erreur. Alors peut-être aussi qu'on a la tête baissée par rapport à une erreur du passé et que bah, ça nous fait mal parce qu'on n'était pas prêt. Et on parle du jugement, du karma. Il y a peut-être une histoire karmatique ici avec l'amour et c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, on te parle de victoire et de succès et que c'est l'équité, c'est équilibré, c'est l'équilibre, c'est la justice. Il y a quelque chose qui va se guérir, quelque chose qui va renaître ici. Et c'est ta victoire, ça peut être l'association de tes deux pôles, masculin, féminin, vraiment comme si ton être va être parfaite. Tu vas être parfaite à l'intérieur de toi. Tu as compris que les erreurs te font avancer. Tu as compris que la joie te fait avancer. Tu as compris que la joie peut te faire tomber. Tu as compris que l'adversité peut te faire tomber. Tu as compris que tout est un juste milieu. Et tu as compris aussi, et tu dois comprendre aussi, que tu dois avoir une vie stable. Tu dois avancer tout droit et laisser de côté toutes les personnes néfastes, la jalousie, les manipulations, les mensonges, tout ci, tout ça. Tu dois les laisser de côté, tu ne dois pas faire partie de ces personnes-là. Ensuite, on voit quand même qu'il y a de la tristesse, il y a un mécontentement et un ennui à cause de quelque chose qui a pris fin. Et moi, avec la foudre et les armes, pour moi, c'est une belle trahison qui a eu dans ta vie et que, bon, ben voilà, hein, tout s'est effondré en fait. On te demande encore une fois de tenir bon et on te dit que tu as la science pour... On te dit ici que tu sais comprendre, que tu as, je te dirais, la clairvoyance, la médiumnité, tu as la capacité pour comprendre. Et ici, on te dit de tenir bon. Et je pense que tu sais très bien qu'il y a quelque chose qui arrive de bien pour toi. Et ça te donne un conflit mental, en fait. Tellement tu réfléchis, tellement tu penses, ça te rend fou. Ça te rend fou ton arbre. Toi, t'es séphira. L'arbre séphirote. Bref, l'arbre, tu sais, on représente un peu un arbre. Eh bien, tu essaies de comprendre les choses, mais on voit quand même qu'il y a un conflit peut-être au niveau coronal, au niveau du chakra coronal, il peut y avoir un petit peu de conflit. Il peut y avoir un petit peu de mal à comprendre certaines choses. On te dit de tenir bon parce que tu vas comprendre. Au bout d'un moment, clairement, tu vas comprendre les choses. Tu vois qu'il y a eu une erreur, tu vois tout ça. On te parle ici de sondation. Sonder, d'accord, de fondation et de réalisation solide avec un monsieur. Le voici, monsieur. Alors, il y a peut-être eu une erreur avec cet homme et on arrive à comprendre les choses. On arrive à savoir ce que cette personne comprend, cherche à nous dire, comment elle pense. On te parle ici d'une passion enflammée. Peut-être que ça a mis du temps ou peut-être que ça mettra un tout petit peu de temps à arriver. Mais pour moi, ici, c'est une passion enflammée avec cet homme ici. Et on te parle bien évidemment d'une réalisation parfaite avec cet homme. Donc, moi, pour moi, ici, tu vas comprendre clairement qu'il y a un homme pour toi qui est là et que c'est le temps, c'est le moment peut-être de fonder quelque chose. Cette arme qui a provoqué la ruine dans la vie de cette personne. Bah, je te dirais qu'il y a eu un ordre, il y a eu quelque chose de dit et qui a été fait. Mais je pense que cette chose, même si ça t'a perturbé, ça t'a permis de t'élever. C'est quelque chose peut-être indépendamment, peut-être qu'il y a eu quelque chose de fait indépendamment des personnes, de tes ennemis ou des personnes qui ne savaient même pas, mais que ça venait pas d'eux, en fait, que ça venait de la source, pour toi te permettre, en fait, d'évoluer. Alors, on peut aussi te mettre, des fois, la foudre dans ta vie. C'est pas pour te faire du mal, même si tu y crois, mais non, c'est pour te faire avancer. En fait, le bon Dieu, il va t'enlever des personnes de ta vie, tu n'aurais jamais cru, mais il va te les enlever de ta vie parce qu'ils ne vont pas avec toi, parce qu'il entend ce que tu n'entends pas, il voit ce que tu ne vois pas, tout simplement. Ok, cette terreur avec cet homme, qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Delta et prière. Donc peut-être que c'est, vous avez, tu vois, il y a beaucoup de violet, beaucoup d'indigo, beaucoup de choses
d'ordre clairvoyance, un peu de toi, de la douceur. Donc, on te dit ici de s'approcher du Créateur en prière, que c'est nécessaire face aux adversaires, tout simplement. Et on a la porte de quelque chose. Donc, il y a un adversaire ici pour te dire quoi, comment. Peut-être qu'il y a une tierce. Hein? Quoi qu'il en soit, on a la bénédiction, mais j'ai l'impression peut-être qu'on voit clair, on voit les choses. On a des doutes. Et ça nous met le désert dans notre vie. Cette passion enflammée. Cette passion enflammée. Quelque chose qui va s'emboîter parfaitement. On va même être capable de s'isoler ensemble, de méditer ensemble, de s'harmoniser ensemble, en fait. Pour l'éternité. Un long voyage. Une belle histoire. Donc, là, je te dirais qu'il y a eu quelque chose. Il y a de l'adversité, il y a les armes, hein, il y a de la trahison, il y a des mensonges, des silences, qu'on a pris conscience ou pas. Bon, j'espère que la lecture, là, t'a fait comprendre un peu quand même les choses et que tu vas comprendre ce que je voulais évidemment te dire. Message d'aide pour cette personne. Ok. Relation précédente non libérée. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé avant de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et ici, nous avons une union sacrée et le pouvoir. Mais vu que j'en veux qu'une, ça serait sympa. Nous avons les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre la guidance. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça plutôt joli. J'ai quand même quelque chose qui me vient en tête. Je mets ça là. Hop. Message d'aide pour cette personne au niveau de cette relation non libérée. L'as d'épée. Il y a des vérités. Des vérités qui arrivent, qui vont permettre aussi peut-être de changer, d'avancer, de déménager, de bouger, de changer, quoi. Ah, on te parle ici donc de nouvelles. 4, 5, 6, 7. De la patience. On te demande de patienter parce qu'il y a quelqu'un qui t'apporte des nouvelles, qui t'apporte des vérités. On te parle d'un succès. D'un succès triomphant. Donc, on te demande simplement de patienter, d'être juste cool. Une dernière message d'aide. Le valet de coupe. Donc, beaucoup d'amour et un choix. Un amour peut-être qui va t'obliger de prendre un nouveau choix. Une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Et après, il faudra que tu choisisses. Une dernière. Ce nouvel amour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'amoureux, le 2 de coupe, l'as de denier et l'étoile. Donc, clairement ici, on te parle de quoi ? On te parle d'amour, donc d'un lien très précieux. Avec la 2 de coupe, hein, c'est un lien spirituel très puissant, quelque chose qu'on ne peut pas, tu pourras pas oublier comme ça. On a l'as de denier qui nous parle de discussion à venir et avec l'étoile, on te dit de garder espoir. Voili, voili, voilà. Voilà mes petits choubidous, j'espère que la lecture vous a plu. Moi, j'ai trouvé qu'elle était complète, énorme. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ben, kiffe la vie, d'accord ? On n'a qu'une vie, c'est très important de la vivre. Et voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi en com' ce que vous en avez pensé, dites-moi qui est qui, est-ce que tu t'es retrouvé dans la lecture, etc. Et voilà, tout ça, tout ça, tout ça, je vous aime très très fort, c'était fait 19. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, ça doit être, tu vois, de la petite barre d'infos ici. Enfin voilà, tout ça, tout ça, je vous aime très fort, à très vite. Bisous, bisous, c'était fait 19. Love, 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 big, 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 big love.